Mimi Mia, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash du Journal Officiel. Alors, intelligence artificielle arrêtée du 21 septembre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Champollion. Alors, le titre intelligence artificielle et on parle de base de données à caractère personnel. Alors, déjà, pour poser le cadre, c'est une base mise à disposition des administrations relevant du champ du travail, de l'emploi et de l'insertion. Hein. Donc, on n'est pas dans la sécurité intérieure, machin, ou quoi que ce soit. Après, il faut bien qu'on soit aussi clair là-dessus, les bases de données et l'État, ils en ont 8 millions sur toi, sur moi. Hein. C'est les premiers à avoir inventé ça au Moyen-Âge avec les registres d'État civil. Voilà, quoi. Ils ont tout ce qu'il faut, où il faut, sur tout le monde, à tous les degrés. Hein. Donc ça, c'est pas ça le souci aujourd'hui. Le souci aujourd'hui, c'est qu'avec ça, ils veulent favoriser le recours à l'intelligence artificielle et son développement, notamment en élaborant des outils, des référentiels, des méthodologies constituant des modèles prédictifs dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et quand je dis prédictif, là, d'un seul coup, je me rends compte que j'ai eu un autre sujet, apparemment, où il y avait un service administratif qui voulait utiliser l'IA. Enfin bref, je ne sais plus, je regarderai. Donc, qu'est-ce qui peut effrayer avec cette idée de laisser une intelligence poser des modèles prédictifs pour la mise en œuvre d'une politique publique? Bah, c'est laisser les erreurs, hein, tout simplement. Alors après, on pourra me dire, oui, mais ça n'arrivera plus, les erreurs. Bah, oui, ça n'arrivera plus, les erreurs avec l'IA. Tout comme ça ne devait plus arriver, les erreurs avec l'ordinateur, puisque, voilà, il ne faisait pas d'erreur. Donc, évidemment que si, ça arrivera. Surtout que, j'ai des contacts, hein, dans un service où il y a une IA qui gère des données des usagers et il y a un problème. Elle modifie une donnée qui est exacte pour en mettre une autre qui est fausse mais qui correspond à son modèle de calcul, tu vois. Selon elle, cette personne ne fait pas ci mais fait ça. Alors c'est les gens derrière qui sont obligés de corriger les bêtises de l'IA. Et tant qu'il y a des gens qui savent que c'est une bêtise, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'aura pas l'info et ça va repartir en cahuète. Donc il y en a déjà des problèmes. Donc le problème est qu'aujourd'hui, quand les indépendants ils ont des problèmes avec l'URSSAF, quand les allocataires ils ont des problèmes avec la CAF, bon, au bout de 3 mois de l'être recommandé, on finit par avoir un rendez-vous avec un responsable et on finit par régler le problème. Hein. Maintenant, quand c'est une IA qui prendra des milliers de décisions à la seconde pour l'entière intégralité du territoire, à quel moment on va pouvoir l'arrêter? Si on peut l'arrêter, qui aura les clés? Bon, ça, à la limite, on s'en fout un petit peu, mais surtout, les gars, prévoyez un bouton d'arrêt d'urgence, parce que quand ça se barre en cahuète, que personne ne peut la raisonner, entre guillemets, ton IA, quoi, et dire non, c'est pas si, c'est ça, arrête de dire des bêtises, qu'elle insiste quand même, et que personne n'y peut rien, ça va poser un très gros problème, hein, parce qu'à l'échelle où ça va se faire, donc voilà, prévoyez le bouton d'arrêt d'urgence, ça va être chaud de chaud. Mais en lui-même, en elle-même, la base de données, bon bah, elle ne touche relative à l'état civil, bon bah, pff, hein, depuis les moines, à la situation familiale, bon, pareil, à la vie professionnelle, extra-professionnelle, ça fait un peu chelou comme truc, mais bon, voilà. Et dans l'économie, financier et social, bon bah, quand tu remplis n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel formulaire, je perdais le mot, sur tout un tas de choses, tu donnes tout ça, donc ça c'est pas la base, le problème, c'est vraiment le modèle prédictif de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va deviner que, en fait, selon lui, dans 3 mois, tu devrais être dans cette situation-là, donc tes déclarations ne correspondent pas, c'est chaud de chaud, les gars, c'est chaud de chaud. Donc prévoyez le bouton d'arrêt d'urgence et les gens, gardez tous vos justificatifs, suivez jour après jour votre état réel et allez voir souvent dans quelle situation l'administration pense que vous êtes, parce qu'il se pourrait bien que ce soit l'IA qui dise un truc et que ce soit une bêtise. Donc voilà, accrochez-vous à vos bretelles, ça va swinguer.
sans vouloir jouer les alarmistes. Hein. Le 11 septembre a inventé les complotistes, le Covid a inventé les alarmistes. Donc, sans vouloir jouer les alarmistes, faites super gaffe à vous. Hein, parce que quand ça va se barrer en cahuète, voilà. Donc, par une décision du 5 octobre 2022 relative au projet Georges Besse 2 d'augmentation de capacité de l'usine d'enrichissement d'uranium de Georges Besse, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que le délai maximum de 5 ans imparti pour ouvrir l'enquête donc, est dépassé. L'enquête date de 2004, si je ne dis pas de bêtises, si je m'en fie aux dates qu'il y a sur le décret. Les circonstances de fait justifiant le projet d'augmentation de capacité du TS annuel d'usine de Georges Besse 2 ont subi des modifications substantielles depuis la clôture du débat, donc de 2004. La commission du débat public a décidé qu'il y a lieu d'organiser une concertation préalable. Donc une nouvelle concertation, donc les gens c'est débat public, donc il faut aller voir ce qui s'y passe, il faut faire entendre sa voix, il faut garder des traces de tout ça, bien évidemment, des écrits. Et il faut faire tout ce que votre droit à l'information vous donne comme capacité d'agir pour avoir toutes les informations et comprendre réellement tous les enjeux du projet. Parce que aujourd'hui, on a un cas concret et c'est pas une usine nucléaire, heureusement. Deux gens qu'on a concertés, que soi-disant ils étaient avertis et tout, et qu'à la finale, ah bah hein, c'est ça qui nous préparait, hein, le Aldi qu'ils ont compris, ils ont construit dans le jardin du gars là. Voilà, ils avaient bien tout fait comme ils devaient pour le PLU, le conseil municipal, les demandes de comment ça s'appelle, les observations des riverains et tout, et voilà. Et à la fin, et ben, ils sont bien emmerdés quand même. Donc, participez à ce genre de choses, s'il vous plaît. Allez voir, prenez des notes et faites-vous bien expliquer les choses pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'à la fin, eh ben dommage, on dira, mais on vous a prévenu, hein, on a tout fait dans les règles. Dommage. Dommage, Eliane. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis merci et à la semaine prochaine. Allez, ciao, merci.